she wish she your type. I'm hitting all kinds of pussy. You the type to hang with niggas. Yo mes biches néofrags aux commandes pour une nouvelle vidéo les gars, j'espère que vous avez la bouillabaisse, que vous avez la patate les gars. Pour ma part ça va pas trop mal. Ouais, ça pourrait aller largement mieux les gars, je vais tout vous expliquer lors de cette vidéo. Donc tout d'abord je vais présenter le gameplay les gars. Donc on se retrouve sur Black Ops. Donc j'avais prévu de faire du Destiny, mais après ce qui m'est arrivé les gars, j'avais besoin de faire une vidéo très courte, rapide. Et voilà, j'avais un petit gameplay sur Black Ops, rien de très extraordinaire, rien d'impressionnant, vraiment un petit gameplay assez court, parfait pour ce que je veux vous expliquer les gars. Donc pour le gameplay on se retrouve sur la map Havana, map que franchement j'apprécie énormément en sniper, et je jouais au L96A1 thermique les gars. Donc tranquille, une petite classe sympathique avec un petit magnum en secondaire si je dis pas de bêtises. Et en fait les gars, je vais me faire plaisir lors de cette vidéo, voilà. Je vais lâcher une Indicani, tranquille les gars. Donc vous imaginez bien, après le gameplay va partir un peu en couille. Le score, pas extraordinaire mais sympa quand même. Petit gameplay où je me suis amusé, assez rapide, j'en ai besoin les gars. Donc à l'heure où je vous commente la date de ce gameplay, on va te faire. Le commentary est daté, on est le 9 octobre, ok les gars. Et en fait hier, donc on était le 8, et je rentrais de chez ma copine à scooter tranquillement les gars. Et vous imaginez bien les gars, ça s'est mal passé. Donc dans ma tête franchement, je partais pour vous, c'était mercredi donc, là on est jeudi, je partais tranquillement un petit après-midi posé. Ma copine est à l'équitation, je me suis dit, je vais vite fait vous commenter le gameplay de Destiny, donc la vidéo que je vais vous proposer et tout, tranquillement. Je vais rentrer, je vais faire le montage et je le poserai chez ma copine puisque je devais dormir le soir chez elle. Les gars, je me suis bouffé la gueule à scooter les gars, mais franchement faut que je vous explique. En fait, je conduisais donc sur une grande route et j'arrive à proximité d'un mur. Donc la route qui se situe genre entre la campagne et la ville, t'as vu. Et donc je roulais, donc débrider mon scooter donc à fond 65-70 les gars. Et là je vois une espèce de grosse bête qui se pose sur ma jambe. Donc je roulais tout droit à la base. Alors moi franchement les gars, tout ce qui est frelon et tout, depuis que je suis petit je crème vraiment. Alors par réflexe humain, je regarde la bête, je donne un coup de main et je vois qu'elle s'agite. Je redonne un coup et là elle part. Et je regarde la route les gars, j'avais complètement changé de direction. Et en fait j'étais en train de foncer sur un mur. Donc le mur était dans la longueur de la route et j'étais en train de foncer dessus. Alors j'ai commencé à piler les gars, j'ai eu un réflexe franchement énorme, c'est de décaler avec mon pied le scooter. Honnêtement les gars, je pense que si j'aurais pas fait ça à la vitesse où j'arrivais, je pense que les gars j'étais mort, ok les gars. Honnêtement je pense que j'allais me bouffer la gueule. Donc j'ai eu un réflexe de fou, j'ai pilé comme un fou, j'ai poussé, j'ai tourné, j'ai quand même tapé le mur mais de côté, donc ça allait. Je suis parti en slide les gars, franchement. J'ai commencé à déraper. Et je sais pas ce qui s'est passé en fait. En dérapant, ça donnait une impulsion. En fait, j'ai fait un tonneau avec le scooter. Donc ma jambe droite, elle, s'est retrouvée coincée entre la partie avant du scooter et la roue. Donc elle s'est retrouvée coincée. Et avec la vitesse où j'arrivais, donc j'ai freiné. Donc je devais être à 45-50. J'ai tourné. Voilà, ma jambe s'est retrouvée coincée. La vitesse, le scooter plus mon poids s'est retrouvé tout entier sur ma cheville gauche. Donc les gars, je me suis pété la cheville, voilà. Donc je me suis retrouvé aux urgences. Donc tout le monde a appelé le pompier. Une voiture me suivait de loin. Donc bam, les collègues à mon père travaillent dans la même entreprise. Et donc ils se sont garés, ils m'ont aidé et tout. Ils ont appelé les pompiers. Mais moi j'étais chaud patate les gars. Je savais pas que j'avais la cheville cassée. Moi j'avais l'adrénaline et tout, je disais c'est bon, je rentre chez moi et tout. Bon, tout le scooter, tout le côté qui a dérapé, il est complètement mort. J'ai même arraché le bout de la selle arrière et tout. Et en fait, je me suis retrouvé, donc les pompiers sont arrivés et tout. Je suis parti à l'hôpital. Je me suis retrouvé à passer une nuit à l'hôpital, les gars, tout simplement. Opération, donc j'arrive à l'accident, c'est produit à 2h. J'arrive à 2h30 à l'hôpital. Je me suis retrouvé à me faire opérer à 8h du soir. Truc de fou, les gars, je vous explique même pas. Truc de fou. Et donc voilà, en fait c'était assez chaud comme situation puisque du coup pour vous expliquer un peu la situation, j'ai un plâtre, j'ai la cheville gauche qui est complètement déglinguée, elle est pétée, donc j'ai deux tiges, j'ai le genou droit tout râpé, donc on voit la chair, le bas de la jambe tout râpé,
le coude aussi gauche et la main droite tout râpé. Donc je pissais le sang les gars, vous imaginez bien, bon, mon jean il est parti à la poubelle. Et franchement les gars, ça m'a vraiment choqué sur le coup parce que je m'attendais pas du tout à avoir un accident comme ça les gars. Donc voilà, c'était ma petite histoire où j'explique un peu ma vie. Donc les gars, je vais avoir du temps pour jouer parce que là, vous imaginez bien, je suis pas prêt d'aller en cours les gars, je suis arrêté et tout. Et donc je vais pouvoir vous faire un peu plus de vidéos. Donc sûrement prochaine vidéo, dites-moi en commentaire ce que vous voulez. BO2, un petit plus de 40 kg DSR ou Ballista, vous choisissez, ou du Destiny. Et dans deux vidéos, ça sera l'autre vidéo que vous avez pas choisi les gars. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc le gameplay sympa, court, enfin pour ma part je trouve sympa, je me suis bien amusé. Le commentary, c'est vrai que c'est un peu un sujet de vie. Il y en a beaucoup sur YouTube en ce moment, mais je trouvais que c'était normal de vous informer un peu de ma situation les gars. Et puis je pense que c'est tout les gars, j'espère donc que le gameplay, que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça me ferait vraiment super plaisir. Un petit like, c'est toujours la récompense. Et moi je vous dis ciao les gars, c'est nos frags. Allez, kiss.